Hello, hello la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Voilà, je vais vous montrer comment je nettoie et conserve mon poisson pour être prêt le jour de la préparation, le jour de la cuisson, le jour que je vais faire. J'aurai envie de faire du poisson, poisson fumé, pardon. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous avez vu, c'est vraiment, c'est pas trop fumé, hein? Donc c'est comme on dit chez nous, deuxième motomo quoi, motomi balai. On va dire ça comme ça là. Donc voilà, c'est, on va laisser dans l'eau chaude et le nettoyer. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, partager, liker ma vidéo. Et voilà, je prends l'éponge que j'ai jamais utilisée. J'ai mis mes gants pour ne pas vraiment salir mes mains. Et là, je mets l'eau du robinet très chaude dans ma bassine. Et voilà, là, j'ai rempli ma bassine. Je viens mettre mon poisson dans l'eau chaude. Et je commence à nettoyer, à garder. Vraiment, prenez votre temps. Mon poisson n'est pas vraiment trop sec, donc du coup je laisse pas vraiment tremper longtemps, mais je nettoie directement. Le but c'est de nettoyer pour que on enlève un peu le noir là sur le poisson. C'est juste la fumée qui fait ça. Donc je nettoie. Comme je disais, je suis Alice, je fais les vidéos de décoration, de ménage, de routine ménage, motivation, vlog, les DIY et la cuisine. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas vraiment de vous abonner, partager, ça me fera énorme plaisir. Merci beaucoup de votre soutien pour ceux qui sont déjà là, mes truffes. Vraiment, merci de votre soutien, ça me va vraiment droit au cœur. Je fais de mon mieux, je fais des efforts tous les jours de faire mieux, toujours mieux, hein. C'est pas évident, mais bon, j'essaie toujours. Merci beaucoup de vos critiques, ça me fortifie, ça me donne la possibilité d'aller toujours en avant. Donc voilà, là je vais changer l'eau. Je remets l'eau chaude. Voilà, je remets l'eau chaude. C'est pas trop chaud. Donc du coup, je continue toujours à nettoyer jusqu'à ce que je vais constater que c'est maintenant la saleté est vraiment partie. Et du coup après, voilà. Par exemple là, l'eau est claire. Donc du coup, vous voyez. Et je vais enlever tout ce qui est arête. Vraiment bien nettoyer mon poisson. Je déteste quand il y a des arêtes. Moi, je prends vraiment mon temps à nettoyer et à enlever les arêtes. Et puis voilà. Et le jour de la cuisson, je n'ai pas à trier le poisson. Donc, je laisse tremper comme ça au moins 5 minutes. Et puis, je reviens. Donc, voilà. Merci beaucoup. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fera énorme plaisir. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Là, je vais changer l'eau. Voilà. Là, je vais changer l'eau. J'enlève toujours vraiment. Je fais vraiment de mon mieux de tout enlever. J'enlève et puis je commence. Voilà. J'enlève tout ce qui est. Prenez votre temps. Vraiment, si. Prenez même un tabouret. Asseyez-vous. Enlevez les arêtes. C'est vraiment important. Parce que moi, mes enfants, ils mangent ça. Donc, du coup. Je préfère enlever les arêtes. Même pour moi-même, j'aime pas quand tu manges que ce soit répétitif. Enlever les arêtes tout le temps, non. Ça peut arriver, il y a deux ou trois arêtes qui sont restées, mais moi, j'enlève tout. Et là, je remets encore dans l'eau pour rincer pour une dernière fois. Enlever pour une dernière fois. Et voilà. Donc, je rince. Voilà, mon poisson est. Hyper, je vais nettoyer. Là, j'ai constaté que l'eau n'est pas vraiment propre. Donc, je vais encore rincer.
Je vais encore rincer. Je laisse, je vais encore rincer et puis on revient tout à l'heure. Et voilà, j'ai encore nettoyé, comme je vous avais dit, l'eau est claire. Là, je vais maintenant enlever dans l'eau. Je vais mettre sur mon plateau tout le poisson. Et on revient avec. Je vous laisse avec des images. Voilà, mon plateau est un peu mouillé, mais bon, c'est pas grave. Je vais tout mettre sur le plateau. Essayez de faire ça, c'est un gagne-temps. Vraiment, quand tu veux manger, tu prends juste ton sac, c'est déjà propre, c'est déjà fait. Tu réfléchis pas. Donc voilà, vraiment, essayez de faire ça, les filles. Ça va vous sauver. Donc après, je mets le papier. Le papier, le fait tout. J'essaie d'enlever l'eau. J'essaie de bien absorber l'eau. Donc voilà. Et je vais laisser comme ça au moins 1 heure jusqu'à ce que ça soit vraiment sec. Et je mettrai dans mon congélateur, dans mon sac, dans mes sacs de congélation et mettre dans le congélateur. Essayez de faire ça. Vous allez voir que ça va vous vraiment faire du bien. Et voilà. Après 1 heure, 1h30, je vais enlever le papier surtout et je vais mettre mes poissons. Je vais faire l'état des poissons par rapport à la quantité de ce que je vais faire. Donc je mettrai dans les sacs congélation. Franchement, ça sauve la vie. C'est rapide, c'est propre, donc prêt à l'emploi. Voilà comment je conserve. Je nettoie et je conserve mon poisson fumé. Et ça peut faire 1 année dans le congélateur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Ça peut aider aussi une maman. Merci beaucoup. Merci Maîtrise. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. À bientôt. Bye. Au revoir.